C'est dans cette salle, nommée Gustave Tholomé, apprêtée avec amour pour les hommes et femmes de vision, qu'a lieu l'événement divin, la clinique de santé et de bien-être du FIAD Porto Novo, conduit de main de maître ce 16 août par le coach Gustave Tholomé, commissaire de police. Nous aurons une soirée formidable parce que rien qu'à voir l'énergie positive que chacun de vous est en train de dégager, ça me procure de la joie. Ça me procure de l'assurance et je sais que nous allons gagner ensemble. Imbu d'une fierté d'appartenance à la nation et au FIAD, les participants fredonnent l'hymne national et le credo, entonné par le coach Paul Dedinou, professeur certifié d'anglais, et l'ambassadeur Clarisse Nassitodé, institutrice. Enfant du Bénin de Beau, je m'engage à parler de santé. Les décrets de bienvenue réservés à tous les invités de cette séance sont prononcés par le coach Florentin Rouzandji, chef service comptabilité. Chers amis, je suis convaincu qu'avec les orientations de ce soir et le message sur ce thème aussi précieux, quelque chose de nouveau et de merveilleux se passera dans ta vie. C'est sur ces mots que je décrète la bienvenue à tous et à toutes. Merci beaucoup et bonne soirée. Avec la prise de parole claire et concise du coach Yaya Adjadi, expert en informatique, chacun se retrouve dans la vision, la mission et les valeurs de l'incomparable association nommée FIAD Monde. Notre vision est l'édification d'un monde pacifique. FIAD Monde s'est doté d'une mission. Cette mission est de forger le caractère des êtres humains par la formation continue. La première exhortation interpelle tous à la responsabilité à travers ce titre « Sois le responsable de ton bonheur ». Elle est minutieusement mitonnée par le coach Romance Azaïnon, sage-femme d'État. Il n'y a pas meilleure recette pour être malheureux que d'attendre que les autres fassent notre bonheur. Prenons conscience que nous sommes responsables de notre bonheur et cessons de nous victimiser. La vérité, c'est qu'en étant responsable de notre propre bonheur, nous favorisons chez l'autre la prise de conscience qu'il est aussi responsable de son propre bonheur. Sois alors le changement que tu veux voir dans tout le monde. La deuxième exhortation, quant à elle, qui s'articule sur le coaching et la santé totale, est mise en lumière par l'ambassadeur Sponsa Dosuvi, sage-femme d'État. Je suis ce que j'ose être. Je suis ce que je dis que je suis. Je suis la santé. Il s'agit de prendre conscience que le « je suis » que nous sommes ne peut pas tomber malade et ne peut jamais l'être. C'est à FIAD qu'on peut se sentir bien et très bien. Et pour se sentir bien et très bien, il faut oser. L'un des outils fondamentaux du coaching qui assure la santé, le bonheur, la prospérité, la longévité et même la réussite est la programmation. Pour la vivre pleinement, il faut comprendre ses tenants et aboutissants. Et c'est ce que nous fait le coach Gustave Tholomé, commissaire de police. La programmation efficace et sans chagrin réside dans les étapes de son accomplissement. La première étape consiste à transformer ma simple volonté en un désir ardent. Vous avez le désir de voyager pour aller étudier ou aller vous émigrer. Est-ce que quelqu'un parmi ceux-là, par exemple, sont déjà allés visiter l'ambassade du pays dans lequel ils veulent aller? Est-ce que la personne a pris le temps d'aller à l'aéroport international de Cotonou au moins une fois dans sa vie pour voir comment les avions arrivent et partent, comment les voyageurs viennent et partent? C'est ça le désir ardent. C'est un comportement de fou. Et si vous suivez ce cheminement, il n'y a rien à faire, ça a toujours marché. Après avoir transformé la simple volonté en un désir ardent, la programmation va ensuite cultiver en nous la foi qu'on peut l'obtenir. Il faut rester constant dans le choix que vous avez fait d'atteindre votre objectif. Tout autre comportement contraire va ruiner le projet et ça va partir à l'eau. Nous devons programmer en étant fermement convaincu que la programmation marche toujours.
Sous l'influence des mots de générosité énumérés par le coach Alban Soumaro, comptable de formation, chacun contribue selon ses attentes. Tu as déjà peut-être tant programmé jusqu'à maintenant. Et Dieu a déjà peut-être dit oui depuis. Mais il faut que tu passes à l'acte. C'est dans l'action que Dieu agit. À tes résolutions répondra le succès, a-t-il dit. Alors ce soir, je te demande de contribuer, surtout d'élever ton niveau de contribution. Afin d'installer en eux le logiciel qui transforme toutes les circonstances de la vie, tout ce programme vivement avec les coachs Taiwo Olorunsola, professeur de mathématiques, Jean-Pierre Wingbe, web entrepreneur, et Eugénie Padonou, institutrice. Oh Dieu, sous cette abondance de grâce infinie. I am able, I am good. Je suis une demeure de l'Esprit de Dieu. Instant cocktail et chacun se régale. Je suis en retard, que j'ai pas d'avenir, que la nature me cite parmi les dormeurs, mais je sers une chose. Tout enthousiaste, ces participants se rapprochent de notre caméra pour exprimer leur satisfaction. Participer à des regroupements comme ceci, c'est choisir le chemin de la santé, choisir le chemin de la richesse, de la prospérité et de la grâce infinie. Nous exhortons tout le monde à rejoindre la FIAD pour découvrir le chemin parfait, le chemin de Dieu et le chemin du coaching. Le bonheur, c'est déjà un état d'esprit. Chacun de nous est responsable de son bonheur. Nous pouvons aussi participer au bonheur des autres, tout en les aidant par les actes, par les paroles, en les boostant chaque jour que nous pouvons le faire. La programmation est un thème qui m'a beaucoup édifié, qui m'a beaucoup intéressé, surtout les étapes de la programmation, parce que ça me fortifie. Tout joyeux d'avoir saisi cette nouvelle occasion de reprogrammation du cerveau ce soir, il se quitte des yeux, mais impatient de se retrouver la semaine prochaine.